Ravi de vous retrouver pour continuer de prendre soin de votre colonne vertébrale. Comment on fait pour réveiller sa colonne vertébrale le matin? Eh bien, un exercice très simple. On va s'aligner, s'ancrer, les pieds élargis d'une largeur de bassin, suspendus par un petit cheveu imaginaire au sommet du crâne. Et on va venir lever une épaule et baisser l'autre épaule. On lève l'épaule droite le plus haut possible sans venir pencher la tête et sans venir pencher le tronc de l'autre côté. On reste bien aligné sur son axe. Je lève une épaule et je tire l'autre épaule, en l'occurrence ici l'épaule gauche vers le bas, et j'inverse. Je vais faire ce mouvement pendant 1 minute en exagérant. Une fois que j'ai bien ce mouvement et je frotte mes mains le long de mes hanches, je peux l'accélérer un petit peu. Et je vais focaliser mon attention sur toute ma colonne vertébrale. Je suis en train d'activer ce qu'on appelle les apophyses articulaires de la colonne vertébrale, des vertèbres. C'est les zones d'articulation, les articulations entre chaque vertèbre. Vous êtes en train de les stimuler, de lubrifier ces apophyses articulaires en sécrétant du liquide de synovie en faisant ça. On est en train de mobiliser aussi toute sa cage thoracique. On mobilise la partie de sa colonne qui est la plus raide, qui est entre la cage thoracique, qui sont les vertèbres dorsales. Focalisez aussi votre attention en faisant ce mouvement de préparation, d'échauffement, qui prend soin de votre colonne vertébrale. Focalisez votre attention sur les organes internes. Qu'est-ce qui se passe au niveau des viscères? C'est un très bon massage des viscères. Ça réveille le péristaltisme aussi de bon matin. Très très bon exercice. Focalisez votre attention sur la colonne vertébrale et sur le ventre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes organes internes? Au bout d'une minute, il faut que ça chauffe, donc au minimum une petite minute, comme ceci. Ensuite, on va venir pétrir les trapèzes. On va venir faire un fulcrum ici, s'attraper le coude pour que ça soit plus simple. Et on va venir pincer les trapèzes, les muscles supérieurs des épaules, pour venir les détendre. On vient les pincer comme ceci, je pince et je tire vers le haut. Je tire vers le haut tranquillement plusieurs fois pour venir détendre. Je le fais d'un côté et de l'autre. Je viens soutenir mon coude parce que si je ne soutiens pas mon coude, c'est un petit peu plus difficile. Et je viens pincer pour détendre ici la masse musculaire. Et on va finir par s'étirer les trapèzes. Pourquoi on focalise sur cette zone aussi aujourd'hui? Parce qu'il y a énormément de tension sur les trapèzes. Quand on a la sensation de porter le monde sur ses épaules, c'est cette zone qui est tendue. On a souvent aussi des problèmes posturaux à cause des ordinateurs, des téléphones où on regarde sans arrêt la tête penchée en avant. Donc cette partie de notre anatomie prend énormément de tension. Donc c'est important avec cet exercice-là, quand on stimule le matin pour réveiller sa colonne vertébrale, on stimule aussi notamment les trapèzes, et une fois qu'ils ont été contractés pendant 1 minute, vous allez voir qu'il y a un effet réflexe qu'on appelle un effet réfractaire des muscles. Une fois qu'ils ont eu une forte contraction, ils se détendent. Donc les épaules vont se relâcher et être plus basses. Donc pour finir, une fois qu'on a massé ces trapèzes des deux côtés, on va venir mettre la main droite sur la fesse gauche, comme ceci. On va attraper avec la main gauche le poignet droit et on va tirer la main en direction du pied gauche. Donc je tire vers le bas pour faire descendre mon épaule le plus bas possible et en arrière. Et ensuite je vais pencher ma tête en avant de l'autre côté et je vais regarder vers le ciel. Donc j'essaye d'écarter les deux extrémités, c'est-à-dire l'acromion, la partie osseuse ici de l'épaule, et ce qu'on appelle le condyle occipital, qui est l'insertion haute du trapèze, qui est sur la base de l'occiput ici, sur la boule que vous avez au niveau du haut du cou. On va écarter ces deux points. Donc je tire ma main vers le pied opposé pour tirer mon épaule en arrière et vers la gauche, l'épaule droite. Je penche ma tête à gauche et je regarde vers le haut. J'inspire et je souffle pendant 20-30 secondes. Et je change. Je vais tirer ma main gauche, pardon, vers le pied droit avec ma main droite. Je tire mon épaule vers le bas et l'arrière. J'incline ma tête à gauche et je regarde en l'air. Et je sens les bienfaits, je sens la tension ici qui est en train de se relâcher
grâce à cet étirement et j'inspire calmement et je souffle tranquillement. Ça, c'est un très très bon exercice que je vous invite à faire tous les matins. Moi, personnellement, c'est dans ma routine musculaire de réveil corporel tous les matins, de réveil musculaire et articulaire. Je vous invite à le mettre en place tous les jours et à me laisser en commentaire comment vous vous sentez après avoir activé toute votre colonne vertébrale et avoir relâché votre trapèze en faisant cette routine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.